moine vit, comme le veut Saint-Benoît, la devise « Ora et labora », prie et travaille. Et le travail lui-même est une prière. La vigne, qui dans la culture judéo-chrétienne a toujours été le grand symbole de l'amour de Dieu pour les hommes, être dans la vigne pour un moine, c'est de nouveau retrouver le Seigneur. Donc vous prenez 3 ou 4 caisses et surtout vous les laissez dans les rangs. Donc ça c'est du botrytis qui a commencé à sécher. Alors ça on l'enlève ou pas? Non, ça vous pouvez le laisser. Et par contre ce que je ne vous ai pas trouvé, mais je vais passer, je vais vous en trouver, c'est du black rot. Le black rot c'est tout sec noir avec la rafle. Non, ça c'est bien sec, ça vous pouvez le laisser. Et c'est la rafle c'est la partie qui tient la grappe là, qui est toute noire et les raisins sont complètement secs. En ce qui me concerne personnellement, je ne suis qu'un humble ouvrier dans la vigne du Seigneur. Toute la journée du moine est sans cesse équilibrée entre la prière et le travail. Donc nous avons un horaire de vie communautaire, de vie de prière, qui nous prend du matin au soir. Par exemple, ce matin, à 3h30, nous étions à la prière. Et ainsi de suite, les journées commencent par un climat de prière, d'études contemplatives, et puis, à travers nos horaires de prière, viennent s'intercaler les horaires de travail. Sur l'implantation du vignoble au Barou lui-même, c'est une histoire qui remonte à une 40aine d'années et qui a été finalement une succession de rencontres, d'aides de voisins, d'amis. Certains frères qui sont arrivés dans la communauté étaient des professionnels du monde du vin. Nous avons des frères qui viennent d'un peu partout, de différents horizons et qui ont des qualités qui ont permis de développer la vigne et de développer, d'exploiter la vigne. Le travail manuel donc, a été prévu par Dieu, non seulement pour cultiver la terre, lui faire donner son fruit, mais en même temps pour aider l'homme à se développer. La vertu générale la plus importante pour le moine, c'est le retour au réel, c'est d'avoir un contact avec le réel. Grâce au travail manuel et le travail de la vigne, il cultive en lui-même les vertus d'intelligence, parce qu'il faut connaître le métier, et la vertu de force et de patience et de persévérance. On s'est rencontré avec Père Odon il y a quelques années. On a discuté de l'avenir de la viticulture dans la région. Le problème qu'on a, c'est que la viticulture aujourd'hui est quasiment pas rentable. On est en zone de montagne, on a des coûts de production qui sont élevés. On perd des surfaces, il y a des entreprises qui rachètent les terres. On perd un peu de notre identité. Depuis 2015, donc, on a décidé de travailler ensemble, je pense que c'est un bon concept. On ne voit pas une cave avec des moines, souvent on travaille ensemble. On s'est dit qu'il faut vraiment valoriser le produit, suffisamment pour qu'on puisse envisager de produire correctement. C'est ça en fait le projet des moines et des vignerons. Mais c'est un gros projet et ça demande des gros changements. Imaginez qu'on puisse vendre des vins dans des gammes tarifaires qu'on n'a jamais explorées jusqu'à aujourd'hui, avec une image monastique, c'est pas évident aussi. On peut comprendre que ça puisse faire peur à certains. C'est vrai que les moines sont des vignerons jeunes, on va dire, donc il faut ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je vous ai apporté les marcellons. Oh là là. Je vais vous expliquer, il y a des... Là aujourd'hui on vient juste de recevoir le raisin de Via Caritatis, dont la Roussanne. C'est notre première journée de vendanges. Tous les parcelles de Via Caritatis sont vinifiées à part. Depuis qu'il est arrivé Père Odon, donc Via Caritatis, ce qui a changé depuis, c'est le travail approfondi de la vigne. C'est vrai qu'au début, on faisait pas trop de sélection parcellaire. Là, on a vraiment des professionnels maintenant sur place qui veillent à ce qu'on a de meilleures qualités des raisins. Les vignerons Caritatis et les moines et les moniales des abbayes se sont retrouvés sur un projet de haute couture au vignoble, avec énormément de travail en verre pour améliorer justement la maturité des raisins, alléger les charges, obtenir une bonne ventilation sous les pieds de vigne. Les atouts de ces terroirs, c'est les inconvénients de ce terroir. C'est-à-dire que les atouts, c'est qu'ils sont en altitude et ça amène beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fruits, beaucoup d'élégance dans le vin, mais aussi le fait qu'ils soient en altitude, c'est une gestion de vinification, une gestion de culture et un travail plus accru. Pour les gens qui aiment le vin, il faut reconnaître que la religion catholique a permis un développement de la viticulture dans tout le bassin méditerranéen, et ça a été les premiers porteurs de la vigne et de la culture de la vigne au travers du monde. Quand les moines sont venus me proposer de les aider dans cette démarche, c'est aussi épouser un pan de notre culture.